Jean-Philippe Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday, est né en juin 1943 à Paris. Pendant 57 ans, il a réussi à faire vibrer son public lors de ses apparitions scéniques ou télévisées. Ce grand artiste, s'il n'était pas le premier chanteur de rock, a néanmoins su imposer le style dans les pays francophones. Il est décédé en décembre 2017 à Marne-la-Coquette. Après son décès, nous avons tous appris que de nombreux litiges opposaient son épouse Laetitia et ses anciennes conjointes, Sylvie Vartan notamment, qui s'est beaucoup exprimée à ce sujet, qui ont décidé de prendre la défense de Laura et David, qui ont tous deux été déshérités. Nous avons pu être surpris de cette attitude et cela a créé de nombreuses rumeurs sur la personnalité de Laetitia et peut-être sur sa mainmise, sur son couple, mais également sur la totalité des relations que Johnny pouvait entretenir. Nous avons pu entendre ses amis nous faire quelques témoignages en ce sens, et nous allons aujourd'hui essayer de découvrir quelle vérité se cache derrière ce sujet. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage qui concerne une personnalité que nous avons tous connue, plus ou moins apprécié pour ses interprétations. Je parle de Johnny Hallyday qui nous a quittés et je souhaitais voir avec vous un petit peu plus sur sa personnalité, faire une enquête sur ce qu'il était vraiment au-delà des apparences et au-delà de ce qui a pu être dit dans les médias depuis sa mort concernant les héritages, les personnes qui étaient désignées comme légataires. Je vais d'abord utiliser l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre afin de voir si Johnny aurait quelque chose à nous communiquer concernant sa personnalité, ce qu'il a retenu de son passage sur cette terre. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez une bonne journée. À l'heure actuelle, j'ai lancé un sondage sur la chaîne concernant une future organisation possible, quelque chose que je voudrais voir avec vous pour rester toujours au plus proche de votre avis. Donc, j'attends vos retours. J'ai vu que certains avaient déjà commencé à répondre par la positive. Donc, on va essayer de voir ce que je peux faire pour l'organisation et pour correspondre au mieux à ce que vous attendez comme type de tirage et comme type de contenu. Allez, pour Johnny. Donc, Jean-Philippe Smet. Alors, j'ai pris trois cartes dans un premier temps afin d'avoir un message le plus complet possible. Et puis, on va compléter avec d'autres jeux qui sont maintenant habituels pour vous. J'ai une bonne nouvelle, j'ai reçu enfin ma commande. Alors, je vais vous proposer, pour ceux que ça intéresse, plutôt sur ma chaîne Instagram, d'ouvrir la commande ensemble, de regarder la qualité de la livraison, les prix qui ont été pratiqués. Pour ceux que ça intéresse, qui souhaitent acheter des jeux de cartes, il y a plein de choses de disponibles sur ce site, hein, il n'y a pas que ça. Il y a des objets du quotidien, c'est un petit peu comme des autres sites marchands. Voilà, donc on nous parle de calme, de peur et de communication. Alors le calme en plus arrive à l'envers, je sais que pour ce jeu on n'est pas forcément obligé de tenir en compte, en considération le sens des cartes. Là ça me parlerait quand même puisque c'est vrai qu'on peut penser que c'était un tempérament de feu. Néanmoins je vais me reporter comme toujours pour cet oracle là au livret qui est communiqué avec les cartes.
Pourquoi? Parce que je pense que quand quelque chose est de qualité, ça sert à rien de réécrire l'histoire et que dans ce jeu-là, ma propre interprétation et mes propres connexions n'ont rien à voir. Là, je trouve que l'auteur a vraiment fait un travail de très haute qualité qui donne un vrai sens aux cartes qui sont dans le jeu. Donc pour le calme, on nous dit que c'est une personne qui est forcément, bah ça c'est pas tellement étonnant, avait vécu des bouleversements intérieurs puissants et forts. C'est quelqu'un qui a toujours eu peur de se tromper et qui n'avait pas forcément confiance en lui, bien qu'il avait quand même des ressentis. C'était une personne connectée. On nous dit que c'est quelqu'un qui avait vraiment de l'intuition par cette carte et que cette personne-là, donc Johnny Hallyday, avait tendance à vivre et à ne vivre que pour la joie. Alors on nous parle ici d'une personnalité hédonique, quelqu'un qui vivait l'instant présent et qui avait besoin de satisfaire ses envies et ses intérêts de manière rapide. On nous parle de quelqu'un qui avait besoin aussi d'être comblé dans tous les sens du terme, dans tous ses besoins. Il nous dit ici qu'il est conscient que beaucoup ont longtemps pleuré et qu'il pleure toujours sa mort et qu'il essaye d'être présent à travers ce qu'il a pu laisser dans son œuvre. Donc là, il nous parle également à travers cette première carte du calme, donc à travers le message de l'entité, d'un besoin de calme autour de cette situation, autour des héritages. Il y a besoin de silence aussi autour de tout ça et d'une espèce de retour à l'harmonie intérieure. Il nous dit que ce n'est pas à travers les autres que tu vas avoir des réponses que tu attends. Et à travers cette phrase, je peux effectivement me référer à certaines personnes proches de Johnny. Donc, je répète, ce n'est pas à travers les autres que tu vas avoir les réponses que tu attends. Cette phrase est pleine de sens parce qu'il nous invite ici à ne pas non plus se contenter de ce que les médias ont pu nous dire. Et d'autant plus qu'il dit que ce n'est pas à travers les autres qu'on va ressentir sa présence, ceux qui cherchent à la ressentir. Il demande vraiment à cultiver une paix et une joie intérieure qu'il n'avait pas eu le temps de savourer. Et qu'il n'a pas eu le temps de connaître non plus dans son incarnation. Bon, il dit, il y avait beaucoup trop de bruit à l'extérieur de moi, je n'avais pas l'habitude de m'écouter et cela m'aurait aidé à comprendre que toutes les réponses étaient en moi. Je laissais beaucoup trop les paroles des autres prendre le pouvoir sur les miennes et sur mes pensées. Et c'est vrai qu'on sait que Johnny n'écrivait pas ses chansons, par exemple, il était un très bon interprète. Il nous dit également, sois dans le silence pour entendre ma voix. C'est en prenant quelques instants dans cet endroit caché de tous, dans ton repère, dans ton refuge, que tu vas pouvoir avoir les réponses et les signes que tu attends de moi. J'imagine qu'on peut penser à son épouse. Et donc il lui dit qu'il peut quand même essayer de veiller sur elle, oui, pardon, de là où il est. Au niveau de la carte des peurs, donc le message qui pourrait nous être communiqué ici nous dirait qu'une partie des énergies de Johnny était figée par la peur et que cela a pu le perturber dans ses connexions puisque, comme je le disais, c'est quelqu'un qui était connecté. Il a tout fait pour fuir cette peur avec des consommations abusives de produits, mais ça n'a pas fonctionné. Il se sentait en permanence en danger. On nous parle de quelqu'un qui avait l'impression qu'on ne l'écoutait pas. Et ça, c'était très compliqué pour lui. Il y avait une grosse colère autour de lui et en lui quand il ne se sentait pas entendu, écouté. C'était une personne qui avait quand même tendance à fuir ses peurs et qui invite à ne pas faire de même. Alors aujourd'hui, l'entité qui voudrait s'exprimer dirait que il y a des messages qui pourraient être transmis à certains proches de Johnny, que ce n'est pas forcément les bonnes informations et qu'il faut faire attention. En fait, il nous dit clairement, ce contact n'est pas négatif et je ne peux pas dépasser les limites que tu as fixées concernant ta médiumnité.
Je me demande si dans son entourage familial, donc ses enfants hors adoption, il n'y aurait pas eu de la transmission d'un don quelconque et quelqu'un qui sait que son père est proche de lui, Laura ou David, pourrait effectivement avoir des signes probants de leur père au quotidien. Donc même si ces personnes sont effrayées, les signes qu'ils pensent avoir, visiblement, sont bien des signes, hein. Il faut bien les prendre comme tels. Et il leur demande de ne pas passer à côté d'opportunités comme lui a pu le faire. Il souhaite vraiment transmettre des messages importants et il leur demande de découvrir de nouvelles choses en eux. Il y a une vraie soif de découverte en ces enfants. Il dit qu'il le ressent et il leur demande de se libérer de la peur pour laisser place à l'énergie de l'amour. La carte de la communication, on sait que Johnny alors était dans la médiatisation la plus totale, c'est sûr, hein, on peut parler des réseaux, des médias, tout ça, mais aussi peut-être de problèmes de communication qui lui auraient été inhérents durant sa vie. Et ici, on nous dit, parle-moi, et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire, car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. L'écriture chez eux, c'est pas forcément quelque chose qui était valorisé. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler dans la presse ou autre. Par contre, il me semble que son fils, oui, lui, écrit. Laura a été avec un écrivain pendant longtemps. Alors, je ne sais pas si elle-même a rédigé. En tout cas, on suggère d'écrire ici, clairement. Ou de dessiner, éventuellement aussi. Et dans ces moments, en fait, d'écriture et de dessin, il va se passer quelque chose pour eux qui va les aider. L'entité ici nous dirait qu'en fait la communication n'a pas été sa plus forte qualité et qu'il pouvait être dans une certaine maladresse ou dans un certain silence. Il aurait aussi pu dire des choses qu'il ne pensait pas. Et maintenant, il se rend compte que c'était en communiquant que des liens pouvaient se créer de façon positive. Actuellement, je cherche à communiquer avec toi, je le fais par des mots que tu peux voir d'une façon répétée, toujours le même mot, si ça peut aider les proches. Il nous dit aussi, aimer quelqu'un, c'est important, mais lui transmettre son amour, ça l'est tout autant. Et ces mots prennent vraiment leur sens dans la configuration de vie de Johnny. Tu as pu douter de mes ressentis et de mes émotions, mais sache que l'amour pour toi a été et sera toujours puissant. Aujourd'hui, je t'invite à communiquer ce que tu ressens. Dis tout ce qui est important pour toi. Ne garde rien pour toi. C'est important pour ne pas avoir de regrets. Parle avec bienveillance et surtout prends du recul quand les paroles sont trop lourdes. Parle avec moi et surtout pardonne-moi. Je ressens par moments ta colère et j'accepte. Je t'invite à t'en libérer. Merci pour ces messages qui, je pense, si jamais ces personnes concernées arrivaient sur ma chaîne, ce qui est quand même peu probable, j'en ai conscience, eh bien, je trouve que c'est un très beau message qu'un papa pourrait adresser à ses enfants ici. Alors pour ce qui est de mes ressentis, alors oui, je sais, c'est quelque chose qui est toujours un peu délicat à aborder et qui pose problème à certains et à certaines. Pour moi, il n'y a pas du tout de repos en paix au niveau de son âme. Je me permets de parler de façon un petit peu plus libérée que sur certaines vidéos parce qu'ici, il s'agit d'une personne adulte. Il y a eu énormément de vidéos polémiques, donc je pense pas vraiment que la mienne puisse faire plus de peine à certains que d'autres. Je vais bien entendu essayer de rester toujours la plus diplomate, voilà, possible dans ce que je vais vous dire. Néanmoins, j'aurai moins de difficultés à parler de mes ressentis. Et je remercie la personne qui m'a suggéré cette vidéo parce que c'est un sujet auquel je pensais depuis quelque temps et qui m'était sorti de la tête puisqu'on entend moins parler de ce sujet dans l'actualité. Alors c'est intéressant que ça lui soit arrivé à elle comme idée et que j'y avais pensé aussi au préalable. Donc merci beaucoup à cette personne pour cette initiative et ce sujet intéressant d'actualité people, si j'ose dire. Voilà. Alors, je vais utiliser le jeu de haut, comme bien souvent, et je vais me concentrer autour de Johnny afin de savoir
on va cibler quelque chose de précis le concernant. C'est savoir comment il a vécu les derniers jours de sa vie, comment il les a ressentis, dans quel contexte de vie il se trouvait au dernier jour de son existence sur Terre. Alors, au vu du fait habituel que je perde ma voix, j'imagine que nous allons avoir des réponses qui devraient être intéressantes et nombreuses. Le mensonge, intéressant. Comique. Donc, on nous parle sûrement du comique de situation. Entre guillemets, hein, c'est toujours dans le sens ironique que j'utilise cette expression. Parce que les derniers jours de sa vie n'étaient vraiment pas comiques. C'est quelqu'un qui, visiblement, était dans la souffrance physique, compte tenu de sa maladie. Et j'en profite pour essayer d'avoir une pensée lumineuse pour son âme et pour l'âme de ses proches disparus. Quelqu'un qui se sentait esclave. Alors, je suis désolée, ici, je vais créer un bandeau, je pense, pour rappeler qu'on est sur une chaîne de divertissement, que je ne suis absolument pas enquêtrice professionnelle du SRPJ ou de je ne sais quelle instance. Encore une fois, je ne me prétends absolument pas voyante. La voyance est un art qui s'apprend et je n'ai rien appris du tout. La carte du faux. Il y a aussi des mots positifs hein, dans ce jeu, pour ceux qui m'avaient demandé une fois. Oui, il y a aussi des mots plus positifs que d'autres. L'hésitation, c'est intéressant aussi. L'aversion. Je vais essayer d'accélérer cette partie sur le montage pour que vous perdiez moins de temps à me regarder choisir les cartes. C'est pas intéressant pour vous, j'en ai bien conscience. Je débute complètement. Moi, je sais pas faire de montage vidéo. Hein. Je crois que ça fait 15 jours que je poste. J'avais dû ouvrir ma chaîne début juin, mais j'avais rien mis dessus à part ma bande-annonce. Et tout ça, c'est très nouveau, donc c'est vrai que je vous remercie pour votre indulgence parce que j'ai pas le niveau d'un monteur professionnel du tout. Et puis, je vous cache pas que c'est pas la partie qui me plaît le plus. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément non plus une grande facilité à procéder à tout ça. Donc, merci pour votre indulgence parce que moi, mon domaine, c'est pas du tout ça. Hein, donc, partagez. Allez, je vais garder une carte auprès de moi pour procéder à une sorte de coupe. La fascination. Ok, donc là on nous parle bien des derniers jours de l'existence de Johnny et je vais recouvrir avec le jeu classique des illustrations de haut. J'espère vraiment que je vais arriver à accélérer. C'est parti.
Très bien. Alors, la première carte qui sort au niveau du jeu est la carte du procès. Donc, il y a eu un mensonge qui a été dit lors du procès, à l'ouverture et à la contestation de l'héritage. Quelque chose a été jugé et on va apprendre des mensonges. Quelque chose, en tout cas, qui est trafiqué là-dessus. Alors, comique, l'auto-sabotage sur sa fin. Probablement ici qu'on peut considérer que c'est la même personne hein, qui se tranche un membre. Et ça arrive sur la carte de la situation comique dont je parlais tout à l'heure. On peut considérer pour Johnny ici que cet auto-sabotage qui l'a conduit à sa maladie, à savoir ses addictions, correspond ici à cette situation de violence. Ça lui a permis de tenir et en même temps, cette addiction l'a détruit et l'a rendu malade. Donc le comique peut représenter l'auto-sabotage et la souffrance que l'on s'inflige. Esclave est recouvert par la relation aux parents. Donc je pense que, si je me rappelle bien en tout cas, Johnny avait peu de relations, voire pas, il me semble vraiment très peu avec son père. Il a été abandonné jeune par celui-ci et il l'a revu en étant adulte puisque je crois que son père avait besoin d'argent, il se retrouvait à faire la manche. Et Johnny lui en donnait un petit peu de temps en temps. Et d'ailleurs, je crois pouvoir vous dire sans me tromper que quand son père est décédé, il était seul à l'enterrement de son père. Personne n'était là, il n'avait aucun ami, pas de famille. Donc on peut nous parler ici de ce qui l'aurait rendu vraiment... ce qui aurait été la source peut-être d'un malheur profond pour lui, hein, cette relation parentale. L'argent arrive sur le faux. Alors oui, il y a eu beaucoup d'argent. Et on nous a menti là aussi par rapport à ces sommes qui ont été indiquées. On peut parler d'une fausse richesse. On peut parler aussi de faux documents qui auraient pu donner de l'argent. Je repense à l'héritage là en question. Mais sur les derniers jours de la vie de Johnny, on voit ici que quelque chose a été échangé. Alors, peut-être que si on reprend l'entièreté du jeu, on peut se dire que les derniers jours ont été un petit peu contraints. C'est-à-dire qu'on a pu lui mentir par rapport à des documents à signer. On a pu profiter de son état de faiblesse et peut-être aussi de son rôle de père. Peut-être qu'ici, on ne parle pas de son père à lui, mais plutôt de son rôle de père avec Joy et je ne sais plus le nom de la deuxième. Donc cette relation effectivement servait aussi de prise à une certaine personne comme moyen de chantage. Il était très très content d'avoir ses deux filles et elles étaient très importantes pour lui. Et autour de lui, écoutez, on a menti clairement hein, dans les derniers jours autour de l'argent, on n'a pas été honnête. Il y a des choses qui se sont jouées qui n'avaient vraiment aucun intérêt financier autour de lui les derniers jours de sa vie. L'hésitation est recouverte par la forêt. Pour moi, on lui a caché là encore quelque chose. Il a eu du mal à faire des choix parce qu'en fait, il n'a pas vu la totalité des informations. On ne lui a pas tout dit. Il a hésité quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il a été un peu pris en otage sur une décision qu'il ne pouvait plus prendre compte tenu de son état de santé. Alors là, je ne vais pas pouvoir la montrer, c'est pire que d'habitude, il y a tout le corps de la femme avec une position explicite, les jambes très écartées. Donc la version pour la version pour la femme. Et là, alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Oui, vu le corps de la femme, on pourrait parler d'une femme jeune, mais déjà formée, bien sûr, donc une femme adulte. Pourquoi l'aversion ? Parce que peut-être que dans les derniers jours, il a appris ou constaté des choses par rapport à une femme adulte. On recouvrira. Alors, dans la carte de l'apparence, nous avons ici de nouveau une carte de souffrance de marteau. Donc là, on avait une hache et un marteau. Donc on nous dit clairement ici que derrière les apparences, il y a eu de la violence. Hein. Alors la violence de la maladie aussi, c'est possible. Mais on nous apprend que dans le partage, c'est un véritable, comment on dit, nid de requin.
Ouais. Le partage ici, c'est vraiment, on a la vision des requins. On peut vraiment voir qu'ils nageaient en eau trouble et qu'il y avait des personnes intéressées. Fascination. Fascination, alors ici, il y a plusieurs symboliques. Toujours l'arc-en-ciel qui peut poser question. Aujourd'hui, vu qu'il est, il est associé à la communauté LGBTQ+, on peut nous parler surtout, alors oui, il aurait pu fasciner cette communauté et être, comme certains, une espèce d'idole de la communauté. Je ne crois pas que ce soit trop le cas sur Johnny Hallyday, mais je pense que ça veut nous dire ici qu'on lui a menti, qu'on a enjolivé les choses et qu'on l'a fasciné quelque part, peut-être pour lui éviter une souffrance supplémentaire sur ce qui était déjà bien tendu dans les relations familiales. Donc, au lieu de recouvrir, je vous propose d'aller plus loin dans le tirage et d'en apprendre un peu plus concernant les derniers jours de la vie de Johnny Hallyday et sur ce qu'il a pu ressentir éventuellement, regretter pourquoi pas, penser au dernier moment et potentiellement ne pas avoir pu l'occasion de le faire savoir. Alors... je vais retirer ces cartes-là. Et c'est parti pour un nouveau tirage avec un autre jeu. Je ne vais pas prendre les cartes démo, je vais me contenter de prendre les cartes qui sont associées. Et avec ces cartes-là, nous allons pouvoir interpréter ensemble ce qui a pu se passer déjà dans un premier temps sur le couple, puisque c'était la dernière personne à être présente aux côtés de Johnny. Que personne d'autre n'a pu ou presque le voir, y compris des gens très proches de lui. Donc ça m'intéresse de savoir au niveau du couple comment ça se passait sur les derniers moments. Bien sûr, je rappelle que ceci est un divertissement et que nous ne sommes pas ici pour accuser ou accabler quelqu'un. Je vous remercie d'être toujours aussi bienveillant et gentil et rester... correct dans les commentaires, c'est important puisque on n'est vraiment pas apte à juger une situation à part à la connaître et à la vivre soi-même. Ici, nous avons une personne qui vient parler à une autre. On peut représenter un peu Roméo et Juliette. On nous montre ici un homme qui semblait épris. Le dernier jour de la vie de Johnny et sa relation avec son épouse. On nous montre ici une carte qui montre des amants qui sont cachés, donc cachés dans un bosquet. Cachés dans un bosquet, on peut donc penser que c'est une relation qui n'est pas officielle. Hein. Vu la situation, on peut imaginer que c'est pas lui qui est représenté ici. Dans ce bosquet, en plus, c'est vrai que c'est plutôt une personne qui est brune et mate, qui est représentée, qui serait représentée autour de lui. Allez, Johnny. Je dispose les cartes. La relation, donc, familiale, papa, maman et enfant. On peut voir une symbolique d'Adam et Ève ici par la nudité. Pourquoi pas? En tout cas, ça nous rappelle que pour lui, son rôle paternel était très important et son rôle de patriarche dans la famille aussi. Pour lui, le couple était important. Hein. Il semblerait en tout cas déjà dans un premier temps qu'on nous indique une personne attachée à sa conjointe. Oui, Johnny avait conscience qu'il allait nous quitter. Il avait déjà fait le deuil de beaucoup de choses. Il savait qu'il allait rejoindre des personnes qui lui étaient chères. On voit qu'il était triste et pensif. On peut considérer qu'il attendait un peu cette échéance, ayant tout à fait conscience qu'il vivait ses derniers instants sur cette terre et que forcément, il était plein de nostalgie. Et je pense aussi d'un certain rejet de sa situation. Voilà donc une belle image d'un couple heureux, plutôt âgé autour de lui, qui ressurgit. Donc, on pourrait voir ici quand même une certaine, oh, j'arrive pas à trouver mon mot, dites donc. Enfin, on peut voir une bonne ambiance autour de lui.
bonne ambiance autour de lui, donc sur des personnes qui l'entourent, hein, qui sont plus âgées et qui sont potentiellement des amis, de la famille ou des personnes en lien avec sa santé. Ici, on nous montre les masques. Donc, il a quand même autour de lui des personnes qui jouaient à la comédie. Et je vais voir si on veut nous en dire un tout petit peu plus sur eux deux avant le décès. Ouais, on était vraiment dans une relation où c'est la femme qui joue de la mandoline, mais qui est là pour plaire à son homme, et une relation de couple, je dirais en tout cas, qui paraît classique, bien qu'il y ait des faux semblants et qu'il y ait certainement des trahisons. Mais ça, bon, bah écoutez, je crois que c'est clair et net, c'est sorti dans les médias, elle-même l'a avoué. Donc, tiens, c'est marrant, j'ai cette carte qui vient de se retourner. Donc, on nous parle ici d'une personne qui est entourée de démons, c'est une femme, qui est entourée de mains qui représentent certainement, bon, alors vu la couleur des mains, des personnes décédées, des entités, on peut appeler ça de plein de façons. Donc, je ne ferai pas de tirage sur elle parce que du coup, ce n'est pas forcément très utile. Moi, ce qui m'était important, c'était de voir un peu les derniers jours de l'existence de Johnny, dans un premier temps, l'état de son couple sur la fin, qui semble plutôt tout à fait correct. Et pourtant, dans mon conscient, je ne vous aurais pas dit ça du tout, parce que j'aurais pas eu l'impression que le couple était en très bonne santé de moi-même, comme ça, avec mon analyse à moi. Donc vous voyez, bon, là pour le coup, je fais avec mes ressentis. Je vais terminer avec cette vidéo concernant Johnny Hallyday, avec un tirage plus construit, entre guillemets, en tout cas plus protocolaire. Voilà, je cherchais le mot. Et je vais utiliser donc les cartes à jouer classiques de Joséphine. J'aime bien ce nom. Les cartes sont drôles entre Sibylle, Joséphine. C'est des prénoms qui me font rire, qui font très baroque. J'aime bien. Ça me parle. Donc avec ce jeu, on va continuer à essayer d'analyser la situation concernant Johnny Hallyday. Et nous avons tous en tête la question alors l'héritage c'est une chose, mais le fait d'avoir déshérité ses propres enfants, nous allons essayer d'en savoir un peu plus, puisque c'est toujours étonnant d'apprendre cela, d'autant plus que je pense que personne n'avait l'illusion que tout était rose, hein, mais personne n'imaginait non plus que la situation entre eux était si problématique. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est un tirage en trois cartes qui est simple. Et puis, on va voir ce qu'on peut obtenir comme information concernant l'héritage. Alors, on va parler plutôt, je vais cibler le fait d'avoir déshérité ses premiers enfants, David et Laura. Alors, voilà pour ce jeu concernant le fait d'avoir déshérité ses enfants aînés. Donc, nous allons commencer ici avec une tendance qui indiquerait quand même que c'était pas forcément sa volonté. Ici, on nous parle d'un abus dans la maladie. On nous parle d'une personne qui était vraiment très surmenée, qui avait une maladie grave. Ben oui, effectivement, ça c'est. Oui. Et qui, malgré tout, était préservée des inquiétudes, en tout cas protégée par sa famille. Voilà ce qu'on veut nous dire déjà dans un premier temps. On nous parle aussi, avec la dame de cœur, d'une personne qui serait entourée d'une femme aimante, qui serait comme une mère pour lui. Donc c'est sûr qu'on ne peut que se rappeler du rôle que Laetitia a eu auprès de Johnny. Mais le pendant de cette relation et l'inverse, c'est la possessivité de cette personne. Et donc possessivité qui ressort ici
avec deux dames qui sont présentes dans le jeu et qui ressortent à l'endroit. Et c'est vrai que cette personne ici est bien démontrée comme une femme de tête, une femme qui commande et qui serait une femme avisée, qui resterait toujours forte face à l'adversaire. Par contre, on nous parle d'une personne loyale en amour. Donc on voit que l'intervenant ici est extérieur à la fratrie et à la famille Hallyday. C'est intéressant pour pouvoir s'assurer en fait du contexte des choses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme tirage? Et puis ça sera certainement le dernier pour aujourd'hui pour cette vidéo concernant Johnny. Alors je vais utiliser celui-ci, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal, c'est un tirage qui est complet, on va nous parler d'un tirage sur 6 cartes. Alors, comment je vais poser ma question? On va poser la question suivante. Est-ce que Johnny était en mesure de prendre ses décisions seul par rapport au déshéritage de ses enfants? C'est un terme qu'on entend tellement peu que, et heureusement, que j'ai eu un doute. En tout cas, merci à tous d'être présents. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît. Éventuellement à la partager si vous en avez envie, bien entendu. Et puis à vous abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Il suffit de cliquer au bon endroit là sur le côté et puis hop, c'est tout bon. Sur abonner. Et il y a une dame qui m'a dit qu'il n'y avait pas de notification. Alors si, les notifications sont activées. Concernant la vidéo sur la politique, j'ai volontairement désactivé les commentaires parce que j'ai pas envie d'avoir de la haine raciale sur ma chaîne. Et je sais que parler de 3 pays comme ceux qui sont abordés peut attirer malheureusement aussi des commentaires vraiment déplacés. Et je ne suis pas la police des réseaux, donc je préfère enlever des commentaires par rapport à ce tirage-là. Donc ici, on nous parle d'une situation d'angoisse et de désespoir. On nous parle vraiment de quelque chose de triste. On nous parle d'une personne qui a des gros soucis financiers et qui est très découragée. Donc sur la fin, Johnny n'avait absolument plus le moral. On peut l'entendre compte tenu de son état. Et alors là, pour recibler sur sa relation et le déshéritage, on nous apporte un complément d'information avec le 9 qui arrive à l'envers, le 9 de cœur. Le 9 de cœur à l'envers, en fait, on nous parle d'une femme, d'une famille aimante, d'une nouvelle famille. Donc, en fait, ce qui est intervenu dans sa prise de décision, c'est le nouveau foyer qu'il avait construit avec Laetitia. Pour lui, c'était comme s'il entretenait une relation infidèle lorsqu'il mentionnait ou parlait de ses enfants. Elle ne le supportait pas, donc là on nous précise encore une fois qu'il y avait vraiment une relation toxique et que cette relation toxique a impacté. De nouveau ici ressort le 8 renversé, le 8 de pique renversé qui nous parle d'une déception et qui nous parle de difficulté à accepter le coup du sort. On est sur quelqu'un qui a eu des déceptions à tous les niveaux et qui a agi avec impulsivité par rapport à une déception. Ce qu'on peut nous apporter comme précision à côté avec le 9 de carreau ici dans ce sens, c'est que justement cette déception a conduit à un changement et à un changement pour avoir moins de contrariété. Donc oui, il y a eu une part volontaire. La prise de décision a été faite à 50-50. Il y a vraiment eu quelqu'un qui l'a conseillé. Mais il y a eu des changements qui ont été faits par rapport à une situation dans laquelle il s'est senti vexé temporairement et à laquelle il n'a pas remédié. Il n'a peut-être pas pensé à le faire ou pas eu envie. Il avait aussi appris des choses, des rumeurs, des problèmes, des nouvelles contrariantes, de mauvaises nouvelles. On voit ici le valet retourné. Donc on peut considérer en plus avec le fait qu'il y ait deux valets que c'était des mauvaises nouvelles autour de négociations.
Est-ce qu'il a estimé avoir suffisamment fait de choses et ne plus vouloir donner à ces enfants-là parce qu'il avait suffisamment donné et que l'investissement n'avait pas été fait au bon endroit ou pas judicieusement peut-être? En tout cas, des investissements passés ne lui avaient pas plu. Et enfin, on nous parle de cet homme qui était quand même très mauvais gestionnaire, on ne peut pas dire autrement, donc jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui est rentré en considération dans son héritage et dans sa rédaction. Il avait tout à fait conscience d'avoir mal géré ses finances et ses patrimoines. On est face à quelqu'un qui était instable à ce niveau-là et qui était lâche face aux difficultés. Voilà ce qu'on peut nous dire aujourd'hui sur ce qui a conduit la situation qu'on connaît autour de l'héritage de Johnny. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci de nouveau à la personne qui m'a conseillé ce sujet. Je ne regrette pas du tout. J'espère que toutes ces informations vous auront apporté quelque chose. Passez tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.